Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Pokémon Jaune. J'ai nettoyé tout le repère Rocket, j'ai récupéré tous les objets, j'ai battu tous les dresseurs je crois. Sauf évidemment le dernier, si vous savez pas de qui il s'agit, je ne dis rien. Et très important, Machoc intègre l'équipe. Voilà, je voulais qu'il intègre l'équipe, enfin je me suis dit plus j'attends, plus ça va être chiant pour le monter de niveau. Donc il est dans l'équipe dès maintenant, il avait juste point karaté hein, quand je l'ai capturé, je lui ai appris plaquage et sacrifice par CT. La CT numéro 10, c'était Damoclès hein. La dernière fois j'ai récupéré la CT numéro 10, je vous ai dit que promis, je vous dirai ce que c'était comme CT. C'était Damoclès, donc une très bonne CT, très bonne attaque. J'ai fait des courses, j'ai mis plein d'objets inutiles, enfin plein d'objets utiles mais pas sur le moment dans le PC. Enfin bref, parce que la gestion des objets est quand même assez chiante dans Rouge Bleu Jaune. Bah ça c'est un vrai côté RPG au final la gestion des objets. Ce qui est plus vraiment le cas dans XY, puisque on peut avoir autant d'objets qu'on veut dans le... Enfin, il y a même plus de PC pour les objets. On peut avoir tous les objets qu'on veut dans le sac. Donc bon. Ça c'est à la décharge de Rouge Bleu bien sûr. Alors j'ai tout nettoyé, hein, je fais même pas de détour. J'ai même récupéré la clé de l'ascenseur. Et donc on va pouvoir monter en haut bien sûr, parce qu'on ne monte pas en bas. Voilà, ça c'est fait. Et donc c'est formidable. Par contre je sais pas où est-ce qu'on doit aller. On va monter tout en haut. Enfin tout en bas plutôt. On va descendre. Ah bah non, on va descendre plutôt. J'ai fait des vannes sur monter en haut, tout ça. Juste pour redescendre au final. Bon. Ah mais ça je me souvenais pas qu'ils étaient là eux. Ok. Comment oses-tu comment as-tu osé nous humilier au Mont Sélénite? Au Mont... Putain, le Mont Lune en anglais, sérieux. C'est l'heure de représailles, de la revanche. C'est ce qu'on va voir, évidemment. Bon, par contre, Machoc face au Pokémon de Jesse et James, c'est pas foufou. Hein. Ils ont quoi? Bah, Meowth, ça va. Ouais, mais ils envoient pas Meowth d'abord. Ça m'aurait bien arrangé. On va switch pour... Bah pour Pikachu du coup. Alors c'est vrai qu'on peut se faire empoisonner Pikachu et ce serait bien relou. Bon ça va, tant que ça fait charge. Ah quand même. Ah oui, ça va la charge de Smogo, elle est pas dégueu. Hein. Ça va, c'est pas mal. Bon ça va, on a le KO en deux coups. Et on se fait pas empoisonner, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Splendide. Splendide, c'est un mot qu'on emploie pas assez. Pas de montée de niveau pour Machoc, alors ça c'est vrai que je suis un petit peu impatient. C'est au niveau 28 qu'il évolue en match hopper. Alors évidemment je l'évoluerai hors vidéo, bien entendu. Et on va faire sacrifice. Ah, est-ce qu'à moins 1 en attaque? Ouais, moins 1 en attaque vu les niveaux d'écart, à mon avis, sacrifice ne fait pas le KO. Et ouais, à peu de choses près. C'est bien dommage. On va faire point karaté, là ça suffit. À moins qu'on prenne un flinch. Ou un coup critique. Et un flinch avec. Alors j'étais content, je me suis dit, oh bah ça va, il y a Meowth, du coup on va pouvoir mettre KO un Pokémon, enfin Machoc va pouvoir mettre KO un Pokémon sans avoir besoin de switch pour un autre Pokémon, donc il va prendre toute l'expérience. Et bah non, et bah non, même pas, flinch coup critique, du coup je ne peux pas, voilà. C'est le seul cas de figure dans lequel ça pouvait arriver. Oh non mon dieu, quelle horreur. Ah, on apprend balayage, c'est formidable. Sur les Pokémon plutôt lourds, on pourra ne pas se faire de dégâts, c'est plutôt intéressant. Je renvoie Machoc ici. Ouais, il a vraiment du retard au niveau des niveaux. Donc, je préfère l'envoyer. Désolé pour le son horrible des PV dans le rouge. Bon, on renvoie Pikachu. Je pense pas qu'on se fasse tuer. Non. Par contre... ah, par contre, ouais, des revenants, ça, je pensais pas à ça. Non, ça va, on se fait pas empoisonner. Parfait. Parfait. Enfin, je pensais à ligotage, plutôt. Ok, gros yeux. Bon, ça va. Ça va, plutôt coopératif. Ce abo... Heureusement que j'ai des super potions dans le sac. Parce que j'ai vraiment pas envie de faire des allers-retours au centre Pokémon. Hein, mais vraiment pas. Il semblerait que la Team Rocket se fasse balayer encore une fois. Ok. Et on va soigner. On va soigner Machoc. Je sais pas s'il y a des Pokémon du prochain dresseur. S'il y a des Pokémon que Machoc peut mettre KO tout seul. Ah si, je crois qu'il y en a un. Mais est-ce qu'il pourra faire le KO tout seul, sachant qu'il a un petit peu de niveau de retard? Je ne sais point. Est-ce qu'il y a des objets ici? Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Un fer. Alors ce fer,
Je vais le donner, enfin je vais l'utiliser sur sur Machoke. Voilà. Allez, c'est la fête. Comme ça, il a un petit peu plus de défense. J'ai trouvé un PP plus aussi que j'ai donné à Pikachu. Je pourrais tout donner à Pikachu en me disant YOLO. All in Pikachu. Oh, quelle surprise! Bon, je dois dire, je suis impressionné que tu sois arrivé ici. Voilà, c'est tout ce qu'il a à nous dire. Ok, formidable. On est content, vraiment. Et voilà, c'est Giovanni. Voilà, voilà. Si vous ne saviez pas, ben, maintenant vous le savez. Vous avez appris un truc aujourd'hui. Niveau 20, niveau 25, qu'est-ce que ça va le faire quand même? Je ne sais pas trop. Ok. Ah putain, on fait que ça! Oh merde. Oh non! On commence pas! Alors, si ça dure pas trop longtemps, on reste. Heureusement qu'il nous a pas fait grincement avant. Mais je sais que je peux switch, hein. Je sais que je peux switch. Ouf. Il l'a loupé cette fois-ci. Alors, j'ai envie de faire... Ah putain, t'es chiant. Quoique, non, normalement, ça devrait suffire, balayage. Ah. Frénésie, bon ça va, frénésie, il va rien faire du tout. Ce qu'il a pas fait avant. Ouais, voilà, si ça c'est un coup critique, alors on avait vraiment rien à craindre. Bon, il me mettra pas KO pour autant. Faut pas pousser. Il m'a enlevé 8 PV en faisant un coup critique, ouais, voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Machoke aura fait son KO, on est content. Est-ce qu'on a envie de rester donner une super potion à Machoke? Oui. Oui, j'ai envie. Ouais. Bon, j'ai enlevé Papy Illusion de l'équipe, hein, vous l'aurez peut-être remarqué. Ok, coup de corne. Putain, ça fait mal, hein. Oh là là. Bon, on est plus rapide. Ça, c'est la bonne nouvelle. Attends, s'il m'enlève... Il m'a enlevé à 18 PV, donc normalement, on tient le suivant. Sauf coup critique et on met KO avec le prochain balayage. Ça devrait le faire. Pas tout critique, please. Merci. Et on ne loupe pas. Parfait, incroyable. Magique. Ah, et on gagne au niveau. Si ça, c'est pas beau. On reste avec Machoke. Ah, est-ce que. Je suis tenté, mais j'ai peur qu'il me mette KO en deux coups le persillant. Oh, il est niveau 29, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber tes problèmes. On va envoyer Herbiza. Ah putain, j'aurais pu me soigner tranquille. On va faire Vampigraine. Il y a grincement, d'accord. Moi, sur tranche, je me fais dégommer. On va faire poudre toxique. Deux fois grincement, d'accord. Pourquoi pas. Il pourrait juste me tuer, mais bon. Me demandez pas pourquoi il a fait ça. Est-ce que... Non, ça change rien au final, vu que j'ai envoyé un bizarre. Non, j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de mettre une super potion sur Machoke. En mode voilà. Voyons les dégâts qu'on prend. Quand même. Ah ouais, quand même. Le poison. Et Vampigraine. Alors, si jamais il nous tue pas. On fait rugissement, ouais. Parfait. Alors, non seulement son rugissement il loupe. Mais en plus, il se fait punir par le poison et la vampigraine. Et moi aussi, je loupe. Ok, formidable. Comme je suis content. Bon, à la limite, il avait baissé la défense de mon... Air bizarre, c'est pas comme s'il avait augmenté son attaque. Est-ce qu'on a envie de faire... Ah ouais, on a envie de faire... Sacrifice. Putain, j'oublie tout le temps le nom de cette attaque. Ah, je pense qu'on a le KO. Ah putain, mais non. Bon, on va faire balayage du coup. Ah, on tuera pas. On tuera pas, mais au final, vu que. Enfin. Au final, ça, il perd du temps au final. En s'enregistrement. C'est limite mieux comme ça pour moi. Ah, je loupe. C'est pas vrai, je loupe balayage. C'est pas vrai. Mais non. Mais non. T'es pas. Je me casse le cul tout ça pour que. Et j'ai pas de rappel. Oh putain, je suis très énervé là. Oh, je me casse le cul tout ça pour qu'ils prennent masse expérience et on se fait baiser par une... Pardon, excusez-moi, je vais être mal poli. Putain, je suis extrêmement énervé là. Sérieusement.
Il prend un vieux coup critique, quoi. Sérieux. Et je loupe balayage avant, mais une chance sur 256 de louper. Sérieusement. Il a pris combien d'expérience, là, Karabaf, là? Parce que là, clairement, on passe niveau 22, mais genre direct, là, avec, avec Machoc. Avec Machoc, oui, Machoc, pardon. Alors, les noms anglais, français, putain, je confonds, c'est pas possible. Et ça, c'est... le Scope Sylph, évidemment. Sylph qui s'écrit pas pareil en anglais et en français, hein, vous l'aurez remarqué. Alors, on va faire tunnel pour partir d'ici. Ah non, mais la déception d'un homme, quoi. Bon, on va soigner. En plus, Machoc, il sert à rien dans la prochaine arène. Mais quand je dis à rien, c'est vraiment à rien. Vraiment à rien du tout. Hein. Très bien. On va commencer la prochaine arène. La terminer, je pense pas. Mais à commencer, oui. Mais on l'a pas fait cette arène-là. Non, je m'en souviendrai. Non, on n'était pas allé encore à Céladopol. Non. Enfin, je m'en souviendrai. J'ai le doute. C'est fou ça quand même. Alors je sais qu'il y a un objet caché. C'est pas là, c'est là. Voilà, parfait. Un PP plus. Oh, ça c'est bon un PP plus. J'ai envie de le donner à, enfin de l'utiliser sur. Alors là les PP plus c'est des objets qu'il faut utiliser avec parcimonie. Hein. On va augmenter les PP de tonnerre qui est l'attaque que j'utiliserai le. Je pense que j'utilise le plus. Donc clairement c'est plutôt rentable. On va couper ce petit arbre avec Topicker. Une taupe qui coupe des arbres. Tout va bien hein. Parce que oui, Topicker est une taupe hein, si vous l'aviez pas remarqué avant. Eh ouais. Ok. Est-ce qu'on combat tout le monde en mode Yalla Yalla, je sais pas ce que ça veut dire. Mais attends. Voilà. C'est un souci d'organisation. Les plus hauts niveaux en dernier et le 16 slave en tout dernier, évidemment. Est-ce qu'on combat avec Machoc? Il n'y a que des plantes poison aussi, c'est ça le problème. Ils sont tous plantes poison, les Pokémon de cette arène. Bah, quasiment tous les Pokémon de rouge bleu jaune. Tous les Pokémon plantes de rouge bleu jaune sont. Enfin, ouais, je pense que. Au moins les trois quarts. Le trois quarts des Pokémon plantes de première génération sont plantes poison. Voilà. La famille Bulbizarre, la famille Chétifleur, la famille Misterbe. Qu'est-ce qu'on a comme plante, mais pas poison? On a sac de nœuds. Et... j'en ai pas d'autres en tête. C'est fou quand même. On va faire plaquage quand même. Ça n'affecte pas Machoc, d'accord. C'est nouveau. Ah, parfait. On fait le KO en deux coups et on paralyse. Parfait, du coup on est plus rapide. Incroyable. Quel talent ce Machoc. Ah, plaquage, je savais que les chances de paralyser de plaquage... seraient les bienvenus. Ok, c'est un Boostiflore. Ah, cette fois-ci, on la prend. Et du coup, donc même si on le paralyse avec plaquage, au final, ça donnera pas grand-chose. Lourdingue numéro 2. Putain. Oh, putain, non. Alors, ouais, mais... Reptacel, il est niveau 25, donc... Est-ce que c'est vraiment rentable? Enfin, est-ce que c'est vraiment intéressant même l'envoyer. En même temps, j'aurais du mal à gérer les Pokémon adverses facilement sans Reptincelle. Donc bon. Tu le finis. S'il te plaît, fais pas le con, finis-le. Oh putain, le con. J'apprécie pas du tout. On va renvoyer Machoc du coup. Poudre. Oh putain. C'est l'arène la plus horrible du jeu. Putain. Non. Mais non, mais continue pas. Mais non. Mais laisse-moi tranquille. Mais non. Il s'en bat les couilles. Si je prends un parax au moment où je peux attaquer, je pète un câble. Non. Mais il est taré. Il est... Enfin... Quoique, ça sert à rien autant que j'envoie Reptincelle. Ça sert à rien que je soigne. Si j'avais pu attaquer avant, tant mieux. Ah, faut que je me réveille.
Oh putain. Oh putain, on s'emmerde. Alors, est-ce que les taux de sommeil sont bloqués? Est-ce que les taux de sommeil y passent? À cause de ligotage? Je sais même pas. Je sais même pas. Ça se trouve, Ampiflore, c'est l'un des meilleurs Pokémon du jeu à cause de ça. Oh putain. Faut appeler Pascal le grand frère. Je sais pas ce qu'il va faire, mais il va le faire. Oh putain, j'y crois pas. On est sur une autre planète là. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah! Il loupe! Il loupe! Incroyable, unique au monde! Voilà, on fait ça. Il loupe encore! OMG! Mais genre, tu fais boudre. Genre! Mais. Genre, tu fais poudre dodo face à un reptincelle qui est déjà endormi. Genre. Putain, j'ai jamais été aussi content de me faire empoisonner. Hallucinant. Hallucinant. Oh, j'en reviens pas, quoi. Oh, la lourdeur n'a jamais été aussi infinie. Sérieux. Alors, un antidote. Ah non, on va pas au sort de Pokémon, hein. Faut pas déconner. Non, non, hors de question. Alors ça se trouve, Reptincelle, il peut dormir 10 tours. Et le problème, c'est que il faut que les 10 tours... Enfin, il faut faire passer 10 tours. Enfin, ça peut aller de 1 à 10 tours le sommeil en 1G. Et le problème, c'est que le compteur est remis à 0 si on switch. Enfin, est remis à 0. Enfin, regardez ma vidéo sur comment contrer Trou Noir. Et partez du principe que allez, le sommeil, ce n'est pas de 1 à 3 tours, mais de 1 à 10 tours. Voilà. Et vous comprendrez pourquoi. Vous comprendrez mon désarroi par rapport au sommeil de mon reptincelle. Bon, ça vole vite, ça empêchera pas de faire le KO après, je pense. À moins qu'il m'enlève vraiment. Ah ouais, non, ah, d'accord, ça va empêcher de faire le KO, visiblement. J'aurais peut-être dû faire point karaté en me disant si je fais un coup critique, je le tue. Ça peut durer 10 tours, hein. Ça peut. Et en plus de ça, on n'attaque pas le tour où on se réveille. Voilà, voilà. Oh! C'est fou! On s'est réveillé! J'aurais pas cru qu'on se réveillerait un jour. On va faire plaquage, hein, plutôt que point karaté. Dans le doute, on fait plaquage. Hein. Ouais, je préfère. Je préfère. Ok, ça c'est encore un chétiflore. Inch'Allah, il a pas ligotage. Quelle bonne surprise! Comme quoi? Et il loupe! Non! C'est magnifique! Ah, c'est magnifique! Back in the game! Parfait! Oui, mystère, on s'en fout. S'il fait poudre toxique... Il faudrait qu'il fasse poudre toxique, ce serait le mieux pour moi, en fait. Ou alors que je le paralyse, qu'il prenne un parax. Parasport, c'est... pas très grave, logiquement. Il va pas me faire très mal. Ah, mais est-ce qu'il tient? Oh non! Parax, t'as pas le droit de me faire ça. Quel jeu pourri. Oh putain, c'est pas vrai. Oh putain, bon, lui au moins il a pas ligotage. Oh putain. Oh mon dieu! Ah! Incroyable! Non mais la RNG aujourd'hui c'est n'importe quoi! Putain! Aïe aïe aïe! Ça n'a aucun sens! Putain! Allez, Chétiflore, encore un! C'est le dernier!
C'est le dernier! On peut le faire! Non, on switch direct, évidemment. Non! Pourquoi? Non! Bon, l'avantage, c'est que je suis plus rapide. Ah! Oui! Oui! Oh, le lourd! Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'irai soigner après, on s'en fout. Enfin! Enfin! On s'en est débarrassé! De ce gros bâtard! De Chétiflore! Enfin! Mon maquillage! Est-ce plein de son... Eh, attends, vu comment tu m'as cassé les couilles, est-ce que tu peux prévoir de plein? Non! Bon, voilà. Écoutez, je vous dis rendez-vous mercredi prochain pour le prochain épisode de Let's Play sur Pokémon Jaune. Et j'espère qu'on passera des bons moments avec Ligotage et Poudre Dodo. Salut tout le monde!